Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un nouveau retour de brocante. Et ces dernières semaines, bah écoutez, j'ai cumulé pas mal de choses plutôt sympas, des belles trouvailles. Et j'aurais voulu faire cette vidéo beaucoup plus tôt, mais le souci c'est que j'ai été malade il y a quelques jours, j'ai eu une grosse angine blanche, j'ai été couché pendant plus d'une semaine. Et j'avais pas la force de tourner la vidéo, donc là maintenant que ça va un petit peu mieux, bah écoutez, je vais vous montrer toutes ces trouvailles. Et franchement, il y a des belles choses. Voilà. Je vais commencer pour vous montrer donc le plus gros, parce que ça prend assez de place, donc je vous le montre tout de suite pour pouvoir ensuite l'enlever. Donc c'est un achat que je regrette un petit peu parce que c'était pas une super affaire. J'ai acheté, donc je vais juste monter un petit peu la caméra, une PS1. Voilà. Voilà, donc c'est juste une PS1 avec une manette officielle et une non officielle. Il y avait deux petits jeux dedans. Je pensais faire une bonne affaire. Je l'ai acheté 18 euros et 18 euros, bah c'est assez cher à ce qui paraît. Voilà, bon, je m'y connais pas beaucoup encore en ancienne console, mais j'ai un ami brocanteur que je vois souvent qui va sûrement me la prendre au prix que je l'ai acheté. Donc bon, bah du coup, c'est pas grave. Je perds pas d'argent. Voilà. Et donc sur le même stand, ouais, c'était une fille, elle avait quoi 30 ans à peu près, donc elle vendait aussi beaucoup de jeux vidéo. Et je lui avais demandé si elle avait autre chose que la console, et elle avait des jeux Sega dans sa voiture, donc elle a sorti un gros sac avec une quinzaine de jeux Sega. J'ai demandé par hasard combien elle ferait le lot, parce que moi après ça peut être intéressant pour faire des échanges contre des cartes avec des amis brocanteurs. Et on avait pour 85 euros une quinzaine de jeux. Bon, c'était peut-être une très bonne affaire, mais bon, j'avais pas envie de mettre une telle somme pour des jeux Sega. Et du coup, j'en ai pris qu'un seul. Voilà, j'ai pris celui qui me semblait peut-être être le plus rare. Donc, il s'agit de Heroes of the Lance. Voilà, donc US Gold. Donc, il était à 8 euros, je l'ai négocié à 7. Elle a accepté. Voilà, bon, j'ai enlevé le petit prix. Il est complet, il y a donc le jeu est dedans, il y a bien la notice et tout, voilà. Voilà. Et bon, écoutez, c'est plutôt une bonne trouvaille. Voilà. J'ai croisé d'autres collectionneurs, enfin, d'autres chineurs de jeux vidéo ce matin-là, et puis quand je leur ai montré le jeu, bon bah ouais, ils étaient un petit peu deg parce que je pense que c'était le jeu le plus intéressant du lot. Voilà. Mais bon, ça, pareil, je vais pas garder. Je pense que je vais aussi échanger contre des cartes. Voilà. Ensuite, on va passer à du Pokémon. Voilà. Bon, je vous montre ça vite fait. C'est assez moche. J'ai trouvé une petite peluche chez Pikachu. Je suis allé à une brocante un samedi matin. Ils étaient annoncés 300 exposants et en fait, ils étaient à peine 50. Donc, bon, assez dégoûté. Et puis, il y avait rien du tout, aucune carte. J'ai juste vu ce petit Pikachu au fond d'un carton et je l'ai eu pour 50 centimes ou 1 euro. C'était histoire de pas repartir les mains vides, mais sinon je l'aurais pas pris quoi. Voilà, donc un Pikachu bien bien fade, voilà. Bien énorme, avec des gros yeux globuleux. Non, il est pas super. Enfin bref, voilà. Ces petites figurines là, ces petits finger puppets à 50 centimes, j'ai eu donc 1,53 €. Bon, par contre, ces deux-là sont pas en super état parce que la peinture est plutôt effacée, voilà. Et le petit Reshiram, peut-être le plus intéressant. Voilà. Et après, tout ce qui va me rester à vous montrer, donc ce sont des cartes. Alors, j'ai trouvé donc une Jumbo Zygarde X. Bon, elle est assez récente, parce que je crois que c'est un des coffrets qui est sorti récemment. Voilà, donc le Zygarde chromatique, que j'ai eu à 1 euro. Voilà, j'ai pas cherché à négocier, la personne faisait 1 euro. 1 euro, c'est très bien. D'habitude, je prends pas les jumbo, mais je monte pas plus de 2 euros pièce. Voilà. On va la mettre là. Ensuite, j'ai trouvé un joli lot de cartes holographiques. Elles étaient à 20 centimes pièce. Et ce qui me fait plaisir dans ce lot, c'est que les cartes sont vraiment en superbe état. Donc, on a un petit Reshiram holographique de Destiny Future. Voilà, je vous montre les états. Toutes les cartes sont comme ça. Voilà. Donc, le petit garçon avait pas mal le cœur, donc je lui ai pris pratiquement toutes ses holographiques parce qu'elles étaient toutes en état neuf. Enfin, très bon état. Donc, Mon Aflémite holographique. Voilà. Un petit Régigigas. Le Galopa de Triomphe. Voilà. Donc, c'est pas souvent qu'on voit des cartes dans cet état-là en brocant, donc ça fait plaisir. Un Roi Tiflamme. Voilà, bon, ouais,
Je vais arrêter de montrer le dos parce que sinon ça dure un peu de temps. Un volcaropode, un Mylobellus, un petit Manaphy de Tempête Plasma, Rhinastock, Itran. Noctaline, donc celui-ci c'est des decks. Le Alligator de Aragol Saver qui est magnifique. C'est une de mes holos préférées de ce bloc. Le Latias, le Au Massacre, Pikachu, encore un Rhinastock, un Lucario, Janko, Tyranocif, Nidoking, et pour finir un Ampiflore. Voilà, c'est peut-être celle qui est en moins bon état. Voilà. Donc j'en ai eu pour 4 € le lot, devait en avoir pour 4,20 €. Bon, j'ai négocié à 4 €, il a accepté. Voilà. Et sur le même stand, donc ils vendaient aussi des ultra rares. Bon, pas au même prix, parce que sinon j'aurais tout pris. Ouais, les ultras les plus chers, elles allaient entre 5, je crois que c'était 7 € la plus chère. Elle n'était pas intéressante. Et j'en ai pris une seule. Je lui ai pris ce Palkia niveau X. Voilà, de la série platine, la 125-127. Et je l'ai prise parce que voilà, elle est vraiment en très bon état. Voilà, je vous laisse en juger. Elle a juste quelques points blancs au dos. Mais sinon, la face est vraiment nickel. Il la faisait à 5 € celle-ci. Et j'ai réussi à négocier à 3 €, comme je l'avais pris à l'autre cap juste avant. Donc, 3 € ce petit Palkia, ça fait plaisir. Voilà. Donc, je la pose ici. Ensuite, juste à 2-3 stands à côté de lui, il y avait une autre vendeuse de cartes Pokémon. Bon, elle n'en avait pas beaucoup, mais je n'en ai pris qu'une seule. Je lui ai pris ce Mewtwo X Full Art de Evolution. Voilà. Qui est en très bon état, voire en état neuf. Voilà. Elle la faisait à 5 € pièce. Je n'ai même pas cherché à négocier, je l'ai prise à ce prix-là. Un Mewtwo Full Art en état neuf, à 5 € tu prends, tu... Je cherche même pas à négocier. C'est un très bon prix. Voilà. Donc ce petit Mewtwo Full Art. Hop, je le mets ici. Ensuite, on va passer un petit peu du Yu-Gi-Oh! Donc j'ai trouvé, hop, ce petit lot de cartes. Bon, à 1 €, c'était 10 centimes pièce à carte. Destruction de cartes, le Cyberdragon jumelé, Chevalier Commandeur, Seigneur des Dragons, Attack Over Dragon, un an couché dehors, le Gardien Celtique recyclé, la Flûte d'invocation du Dragon, Tornade Géante, Raptinus la bête Adamantium, ok, à nouveau un Seigneur des Dragons, et pour finir un petit Magicien Sombre. Voilà, bon, 10 centimes la carte. J'ai pris ce qui semblait être le plus intéressant, donc voilà. Donc ça partira à l'échange contre des cartes Pokémon, je pense. Voilà, ça, de toute façon, je ne vais pas garder. On continue avec le Yu-Gi-Oh! Donc j'ai payé ce petit lot 5 €. Voilà. Donc en fait, c'était les 3 dernières cartes qui étaient à 5 €, et puis celle du dessus, il me les a fait gratuites. Donc on a le Voyage dans le Royaume. Je vais y aller une par une, parce que les cartes sont quand même intéressantes. Ah oui, j'avais oublié. Il y avait cette petite carte aussi, l'abandonnée, qui était dans le tas. Voilà, qui était à 10 centimes pièce. Donc, j'ai eu donc Voyage dans le Royaume, La Gloire de la Main du Roi et Le Royaume des Duelistes. Alors, pour ceux qui ont vu les premières saisons du Yu-Gi-Oh, il me semble que c'était des cartes récompenses dans le dessin animé pour accéder au château de Pegasus, un truc comme ça. Tu devais avoir... un nombre d'étoiles sur ton bracelet, et une fois atteint, il me semble que tu avais droit à une carte pour pouvoir participer à une espèce de mini-tournoi contre Pegasus. Enfin, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu les animés. Et voilà, quand j'ai vu ces cartes, bah, ça me fait penser tout de suite à ça, et puis bah, je les ai prises pour nostalgie, quoi, parce qu'elles sont sympas. Voilà, donc bah, c'est écrit que ces cartes ne peuvent pas être utilisées en duel. Voilà. Voilà. Et sur le même stand, bah, le mec avait pas mal de cartes Yu-Gi-Oh, mais après les prix étaient assez élevés. Et donc je lui ai pris ces 3 cartes. Il s'agit donc du Dragon ailé de rat, suivi de Obélisque le Tourmenteur, et puis comme vous l'aurez deviné, la troisième, Slifer le Dragon Céleste. Voilà. Et c'est pas les mêmes que j'ai trouvé la dernière fois en brocante, parce qu'ils n'avaient pas le dos jaune, bleu, rouge comme ça.
Donc de toute façon, je sais que c'est les dieux égyptiens ont eu beaucoup de rééditions. Voilà, et en fait le mec avait aucune idée de à quel prix de les vendre. Donc il a regardé un petit peu sur internet, il n'arrivait pas à trouver. Donc il me disait bon bah 5 euros les 3 ça te va, donc moi j'ai dit oui évidemment. Et quand j'ai sorti mon argent, je me suis rendu compte bah, que j'en avais plus sur moi, donc je suis parti retirer un petit peu d'argent au distributeur. Et donc quand je suis revenu, il m'a dit bah écoutez, vous faites une très bonne affaire parce que j'ai réussi à trouver le code de ces cartes sur internet. Et en fait, à balle bien beaucoup plus cher quoi que 5 euros. Mais il m'a dit comme je vous ai dit 5 euros, bon bah je vous l'ai fait à 5 euros. Voilà. Donc il était un petit peu dégoûté, mais bon bah tant pis pour lui quoi, il m'a proposé 5 euros, bah moi j'ai accepté, puis après il se voyait mal de dire un autre prix, quoi, voilà. J'ai pas trop regardé leur cote, mais il me semble que elles doivent coter peut-être entre 8 et 12 euros pièce, si je dis pas de bêtises à peu près. Voilà. En tout cas, c'est toujours cool de trouver les dieux égyptiens. Voilà. Donc ça, pareil, je vais pas garder, je les échangerai contre des cartes Pokémon aussi plus tard. Voilà, peut-être à Teddy, parce que je sais qu'il collectionne le Yu-Gi-Oh! J'ai un autre ami brocanteur qui serait intéressé par les cartes Yu-Gi-Oh! Donc je vais voir. Voilà. Hop, donc je vais le poser ici. On continue, donc on revient sur du Pokémon. Alors, j'ai trouvé donc la Dame du Centre Pokémon. Voilà, bon, c'était dans un folio, c'était un père de famille qui vendait les cartes de ses enfants. Et puis, bon, il n'y avait que cette carte intéressante dans le folio. Donc il me l'a fait à 20 centimes pièce. Toutes les cartes étaient à 20 centimes, il se prenait pas la tête. Bon bah 20 centimes. Voilà, tu prends. Voilà, donc la Dame du Centre Pokémon, donc c'est de la série Étincelle. On continue avec une autre petite ultra. Il s'agit d'un Léviator GX de Invasion Carmin. Voilà. Je crois pas qu'elle soit. Ah si, elle a un petit peu abîmée, elle a un petit peu quelques plis. Pareil, donc là c'est un petit garçon qui exposait avec ses parents. Et bah oui, c'est la même chose, il avait un folio et puis il y avait une carte intéressante, c'était ce Léviator. Et il la faisait à 2 euros pièce. Bon, il a fixé son prix, 2 euros, c'était très bien, même si elle est un petit peu abîmée. Voilà, il était content, donc je lui donnais 2 euros pour cette carte. Voilà, donc un petit Léviator GX. Voilà. On continue avec encore... une seule carte que j'ai trouvée sur un stand. J'ai fait beaucoup de trouvailles avec une seule carte dans chaque stand, mais les cartes sont plutôt sympas. Il s'agit d'un Evoli holographique promo du Block Wizard. Voilà. Bon, je ne connaissais pas cette carte. Bon, elle est un petit peu décollée ici, mais c'est pas grave. Avec une pochette, ça se verra plus. L'état est plutôt bon. Voilà. Donc là, c'était des. Ouais, c'était. Oui, il n'y avait pas d'enfants, c'était que des adultes qui exposaient. Donc ils avaient pareil, ils avaient ramené les cartes de leurs enfants. Et puis bon, bah, il y avait rien d'intéressant, il y avait juste ce petit Evoli. Et ils avaient aucune idée de quel prix vendre leurs cartes. Et puis ils m'ont demandé un prix. Et j'ai proposé 50 centimes. Voilà. J'aurais pu dire 10 ou 20 centimes, ils auraient accepté. Mais bon, ouais, pour cette carte-là, ouais, 50 centimes, c'est un bon prix. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais pas, donc elle est dans la collection. Voilà. Donc un petit Evoli. Il me reste plus grand chose à vous montrer. Donc là, on a un petit lot de cartes. Donc c'était 10 centimes la carte. Donc on a un Deoxys holographique de Fantomolon, un Zoroark holo, Giratina en reverse, Lucario holographique, Meloetta reverse, Nevoli du coffre évolution, Voltali, Minotaur, un petit Fanard évolution, Pyroli et Aqualie. Voilà. Bon, il n'y avait pas toutes les évolutions. Voilà, bon, ça, 10 centimes, j'ai peut-être dû faire 1 euro le lot, un truc comme ça. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ouais, ça a dû me revenir à 1 euro, peut-être, tout ça. Voilà. Ensuite, un petit lot d'ultra rares. Bon, les cartes sont pas neuves, mais elles sont plutôt sympas. Je vais les classer par ordre de rareté. Donc, j'ai eu ces 4 ultras pour... alors, le petit garçon voulait 10 euros, j'ai négocié à 8 et il a accepté. Donc, on a un... Mega Lucario X de Point Furieux, c'est peut-être celle-ci qui est le plus abîmée parce que là vous voyez elle est décollée ici. Elle est abîmée là. Voilà. Donc bon, ça revient à 2 euros la carte. Voilà, quand une carte comme ça, ouais, pas mal abîmée aussi. Faut pas mettre plus de 2 euros parce que ça vaut pas le coup. Voilà. Donc le Mega Lucario X, on a un
un Lacazin Foulard de Impact des Destins, qui lui a un meilleur état, bon, même si l'état n'est pas nickel. Ensuite, celle-ci m'a fait plaisir parce qu'on la voit pas souvent, donc le Meganiglali Foulard de Impulsion Turbo. Voilà. Donc, bah, pareil, dans un état, on va dire bon état, là, celle-ci elle a pas de pliure. Voilà. Le Gardevoir Secret de Offensive Vapeur. Et celle-ci est. Ouais, voilà, la débord blanc et tout. On va dire en bon état, moyen état à peu près. Voilà. Bon, pour 2 € pièce. Voilà. Bon, c'est dommage que les cartes sont pas neuves, mais bon, pour 2 € pièce, c'est pas mal. Donc, 8 € c'est 4 cartes. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi si c'était quand même une bonne affaire. Oui, je pense que tout le monde les aurait pris. Voilà. Je les ai eu très tôt, ces cartes-là. Il était peut-être 6h30. Je vais être le seul encore sur place à la brocante qui cherchait des cartes. Voilà. Hop, et il ne me reste plus qu'à vous montrer un seul lot, et alors ça, c'est assez fou. Ce lot, je l'ai trouvé le jour où j'ai exposé, donc j'ai exposé le 26 août. Bon, pour ceux qui connaissent la Touraine, j'avais exposé à Vignier. Et en plus, j'avais pas mal vendu, donc franchement, c'était cool. Et bah, en promenant sur les stands, parce qu'Audrey était avec moi, donc elle a pu surveiller le stand, bah, j'ai été un peu me balader pour voir si je pouvais faire des trouvailles. Et il était midi, et j'ai trouvé tout ça. Et c'est un truc de fou, parce qu'en fait, c'est une personne, il avait entre 25 et 30 ans. Il vendait un peu de tout, et il avait des cartes Pokémon sur son stand, donc il avait deux boîtes à chaussures remplies de cartes communes, peu communes et des rares. Et il avait, sans vous mentir, une centaine d'ultra rares. C'était que des ultras du bloc Soleil et Lune. Il y avait de la GX, de la Full Art, de la Full Art Dresseur, de la Rainbow. Bon, très peu parce que je les ai toutes prises. Et franchement, c'était un truc de fou. Et les prix étaient entre 2 € pièce et 10 € pièce. Voilà, c'était les Rainbow les plus chers à 10 €. Et donc, ils faisaient les Dresseurs Full Art à 2 €. Les GX simples à peu près à 4 €. Les Full Art Pokémon, ils les faisaient entre 6 et 8 €. Ça dépendait des cartes. Et les Rainbow, bah, ils les faisaient à 10 € pièce. Voilà. Et donc, je lui ai pris tout ça. Et j'en ai eu pour 30 €. Voilà. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Il y a 11 cartes. Donc, on va commencer petit à petit. Donc, je lui ai pris toutes les dresseurs Full Art parce qu'à 2 € pièce, bah, c'est cadeau. Donc, on a un Apocyne Full Art de SL3, Ombre Ardente. Voilà. Et les états sont, je vais pas dire neufs parce que bah, toutes ces cartes étaient autour d'un élastique. Ça, j'aime pas ça parce que ça abîme les cartes sur les côtés. Ça les. C'est pas top les mettre dans les élastiques, je trouve. Donc, on a un Apocyne Full Art suivi d'un Kiawe Full Art x2. Voilà, il en avait deux. Je lui ai pris les deux. Donc, pareil, les cartes sont en très bon état. Voilà. Donc, on a 1 et 2 Vicky Foulard. Bon, ça c'est peut-être la plus abîmée parce que c'est dommage, elle a une petite pliure ici. Hop. Donc, de Ombre Ardente. Voilà. Hop. Bon, les états sont plutôt très bons. Ensuite, on a donc Barbara, donc de SL2, Gardien Ascendant. Voilà. On a 2, 1, 2, 3 Chris, 3 Chris Full Art. Pareil de Invasion Carmin. Voilà. Hop. Et je lui ai pris 2 Rainbow, donc on a le Muscoto Rainbow, donc de Invasion Carmin. Voilà. Et le Grotan Morve Rainbow de Ombre Ardente. Voilà. Et ce qui me fait super plaisir, bah, c'est que c'était 2 Rainbow que je n'avais pas dans ma collection. Donc celle-ci, je les garde. Voilà. Alors, y a 9 dresseurs Full Art. Donc il y en avait eu pour 18 €. Il me les a fait à 15 € sans négocier. J'ai même pas eu le temps de négocier. Qui me dit, bah écoute, je peux te les faire à 15 € au lieu de 18. Bon bah, j'ai tout de suite accepté. C'est un super prix. Et les Rainbow, bah, ils disaient 10 € pièce au début, mais ils regardaient quand même les cotes sur internet. Ils me disaient, bah écoute, celle-là, je vois qu'elle est à 30, celle-ci, je vois qu'elle est à 35. Et là, il me sort, bah je peux te faire les deux à 15 €.
Ah bah écoute, ah, c'est super, ça me va, j'ai même pas cherché à négocier. J'ai sorti l'argent, j'ai dit oui, 15 € les deux, c'est très bien. Donc ça me revient à 7,50 la Rainbow qui est en très bon état neuf, voilà. Donc c'est super, voilà, donc c'est vraiment des prix de fou, voilà. Et bah, j'ai voulu lui prendre d'autres cartes, mais j'avais choisi encore 8 ou 9 autres full art Pokémon. Mais après le prix commençait à monter, j'ai dit non, je vais en rester là. En plus, c'était une période où j'avais pas beaucoup d'argent. Fallait que je fasse attention à mes achats et voilà, je lui ai pris que ce qui était intéressant. Donc les dresseurs Full Art à 2 € et puis les Rainbow que je n'avais pas. Voilà. Mais on a échangé nos numéros. Donc je lui ai dit si jamais à l'avenir tu arrives à avoir de nouvelles cartes, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message. Voilà, ce que moi je serais intéressé. Puis en plus, on a tous sympathisé, le mec était super sympa. Donc voilà, donc bah, il se peut qu'à l'avenir, je lui rachète à nouveau des cartes. Voilà. J'espère qu'il restera sur les mêmes tarifs, qu'il va pas augmenter. On verra bien. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour ce retour de brocante. Franchement, je trouve qu'il est très complet. On a vraiment de très belles cartes, des belles trouvailles, hein, que ce soit en Yu-Gi-Oh! Et en Pokémon. Bon, le jeu vidéo, on va pas dire que j'ai fait des super affaires, mais bon. Ça passe. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce retour. Comme d'habitude, si jamais si vous en avez fait un ou plusieurs récemment, bah dites-moi ce que vous avez eu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ce sera? Je n'ai aucune idée. Ce sera surprise du chef. Et moi, je vous dis bye bye tout le monde. Allez, salut, portez-vous bien.